Nous arrivons à la cinquième question qui est comment va se terminer ce conflit pour la Russie et l'Ukraine. Mais avant de vous expliquer le tirage, je tiens à vous apporter la preuve en image que ma prédiction du 17 mars dans la première vidéo Va-t-il y avoir un traité de paix s'est réalisée. J'avais annoncé autour du vin une demande de traité de paix et elle a eu lieu. Voici la preuve en image. Revenons. À nos moutons. La première carte que m'envoient mes guides est l'entité Muspel, le seigneur des inadaptés. Muspel appartient au monde du feu. Si vous regardez bien l'image, on peut voir un géant qui ressemble à un grand sage, une sorte de totem, avec un collier, des bracelets et le symbole du caducé au-dessus de sa tête. Devant lui, un cheval à huit pattes lui sert de bouclier. Il est tourné vers la gauche. Muspel, dans la mythologie nordique, indique l'Apocalypse, la guerre ultime qui mène à la fin du monde dont personne ne ressortira vainqueur. Muspel est le dieu qui s'oppose à Odin. Je n'interprète pas cette carte dans son sens littéral, purement négatif, comme l'Apocalypse, mais plutôt comme la détermination de Poutine à démilitariser l'Ukraine et l'orgueil démesuré de Zelensky qui par sa maladroite communication a fait échouer momentanément les négociations de paix avec Israël. Actuellement, Zelensky s'entête à demander le boycott des ressources énergétiques russes. Il essaye par tous les moyens d'entraîner dans sa guerre avec lui les Américains, les Européens et Israël. En clair, Zelensky s'acharne pour déclencher la troisième guerre mondiale militaire. Et pour le coup, il se sent isolé et abandonné du reste de la planète. La deuxième carte que nous envoient mes guides est l'entité Ask qui correspond au monde des hommes. Elle s'intitule le Premier Homme. Cette carte signifie un nouveau départ, une page blanche, ce qui signifie que de nouvelles négociations vont avoir lieu. La troisième carte que m'envoient mes guides est l'entité Jay-Z. Elle appartient au monde des géants. Les mots-clés sont vieillissement, maturation, guérison. Il est écrit dans le White Book que Jay-Z est un géant extraordinaire au pouvoir magique, chamanique. Il réussit à piéger le dieu du mensonge et de la ruse, qui peut être ici les États-Unis, dans une situation où il a l'avantage sur lui. Jasi est associé à la réconciliation, à la santé et à la guérison. Donc, dans ma première vidéo, j'avais conclu à un traité de paix entre la Russie et l'Ukraine, et ici, ces trois cartes nous confirment qu'un traité de paix va avoir lieu entre la Russie et l'Ukraine. J'ajoute que Jazzy, ce grand géant chaman, représente sans aucun doute la Russie, car d'après l'étymologie, le mot chaman est emprunté au Tungus, mot sibérien, et que ces derniers ont été rencontrés pour la première fois en Sibérie et non pas en Amérique du Nord comme on pourrait le croire. Ce qui revient à dire que c'est Poutine qui va certainement appuyer des négociations de paix, car contre toute attente, il me semble beaucoup plus pragmatique dans sa guerre que Zelensky. Et je tiens à souligner que la population russe, la grande absente du débat médiatique, est en train déjà de souffrir de la pénurie. Et il faut rappeler que le peuple russe vit dans une extrême misère et une extrême précarité. Je vais maintenant demander la confirmation avec les deux cartes issues du tarot hébraïque. Pour terminer ce tirage, mes guides m'ont envoyé les lettres Kaf et Tzadé du tarot des lettres hébraïques. La lettre Kaf porte le numéro 11 qui est un maître nombre. Elle signifie le corps de résurrection. Sa signification, entre autres, est de triompher de la colère, de la frustration, de la révolte. Quel est le conseil que nous donnent les guides Il est le suivant. Il nous indique qu'une action est nécessaire sur le plan matériel, qu'il faut peut-être canaliser une énergie de colère dans une direction constructive à l'écoute de l'âme, ou bien il faut triompher d'une certaine paresse, qu'elle soit physique, psychique ou spirituelle, et pour cela, Kaf est une aide précieuse. Kaf régit les forces atomiques, magnétiques, électriques et bien plus subtiles encore. Son pouvoir guérisseur est immense. Passons maintenant à la lettre Tzadé. La lettre Tzadé porte le numéro 18. Elle se nomme l'androgyne, elle a pour signe astrologique le verso. Ces notions clés sont c'est le moment d'une grande réconciliation. Comprendre la justice derrière une apparence d'injustice. La Terre et l'Humanité entrent actuellement dans l'influence de cette belle lettre, Sadé. Elle signifie la justice divine, qui est aussi celle de notre âme de lumière, qui est différente de la justice humaine. Elle ne comporte ni la satisfaction d'un désir de vengeance, ni une revendication égoïque. Le conseil de la carte est celui-ci. Sade nous engage à nous préparer à une grande réconciliation. Une nouvelle ère s'annonce. Elle nous invite à lâcher définitivement tout ce qui nous entrave à l'ancien, les revendications, les vieilles rancunes. Elle demande à l'humanité de s'unir et de prendre le chemin du nouveau, main dans la main. Ici s'arrête ce tirage, le conflit entre la Russie et l'Ukraine. J'espère qu'il vous aura été utile. Je vous dis à bientôt pour d'autres tirages.